Parce que nous savons que personne ne peut contrecarrer les plans de Dieu. Personne. Ce que Dieu a décidé sur ta vie là s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Donc, sois sûr que le chemin qu'il te fait prendre là, c'est le bon chemin. Même si sur ce chemin, il y a des ronces et des épines. Même si ce chemin est difficile. Ce n'est pas seulement un bon chemin, mais c'est le bon chemin. Quand Dieu te met sur un chemin, ce n'est pas seulement un bon chemin, mais c'est le bon chemin. Faut pas marcher parce que tu marches. Aïe, j'ai une épine dans le pied. Aïe, aïe, mais pourquoi Dieu me fait passer par là même? Dieu veut que tu t'arrêtes doucement, que tu souffles un peu, que tu enlèves l'épine, tu te relèves, tu continues ta route. Il n'y a pas un chemin que Dieu te fera prendre qui ne soit pas bon. Même s'il y a des cailloux, il y a des épines, il y a des quoi sur ce chemin. Ne vous inquiétez pas. Dieu a dit même qu'il nous a tracé un chemin où on ne rencontrera pas des bêtes féroces. D'accord? Mais il y aura peut-être des épines. Il y aura peut-être des embûches. Si Dieu avait dit aux disciples, il y aura la tempête, ils n'auraient pas pris la barque. Mais il dit quoi? Passons de l'autre bord. Mais la traversée ne va pas être tranquille. La Bible dit qu'il va y avoir des vents contraires. Dans ta marche chrétienne, il peut y avoir des vents contraires. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que Dieu, forcément, est fâché contre toi. Non, il y a des vents contraires. L'ennemi peut se lever dans ta vie, peut t'empêcher d'atteindre l'objectif. Parce qu'il sait où tu vas là. Quelque chose de bien va se passer pour toi. Alors il va se lever pour empêcher, pour bloquer que cela arrive. Mais sache que Jésus est dans ta barque. Ou alors Jésus marchera sur les eaux. Et que de sa parole, il calmera la tempête. Et vous passerez de l'autre bord. Laissez-vous conduire par Dieu. Et par Dieu seul. Parce qu'il vous amènera à bon port. Alléluia. Personne ne peut contrecarrer les plans de Dieu sur ta vie. Aucun démon, aucun esprit, aucun homme, aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur, ni Satan lui-même ne pourra rien bloquer sur ta vie. Parce que je te dis, tu es de Dieu. Même tu es venu dans un monde où ce monde est désertique, où ce monde est pourri, gâté, mais par la présence de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en toi, eh bien Dieu te permettra de faire fleurir cette terre qui était desséchée et déserte. C'est pourquoi dans n'importe quel environnement où tu es capable par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu, par la foi de Dieu, d'amener toute chose à l'existence. Ce qui n'existe pas, tu l'amènes à l'existence. Tu peux être malade, tu peux être couché, déprimé, pensant que c'est ta fin, pensant que tu vas mourir, mais alors que tu as ta foi, tu as les yeux fixés vers Dieu, ce grand Dieu qui a la puissance et la capacité de faire toutes choses, il envoie la vie Zoé en toi, il envoie la vérité en toi, et de ton lit de malade, tu recouvres la guérison, le miracle vient à toi et tu deviens encore fort. Oui, tu n'es pas né pour être pauvre, tu n'es pas né pour être pauvre, mais Dieu te donne la capacité d'être ton propre chef d'entreprise. Tu vas posséder des millions, tu vas posséder des milliards, une société avec des gens que tu vas employer. Et autour de toi, ce ne sera que la prospérité. Parce que Dieu te donne la capacité de le faire. Partout où tu iras, tu penses que tu es né pour voler bas. Mais je te dis que tu es né pour voler haut. Tu seras un aigle et tu vas déployer tes aigles. Parce que tu sais suivre Dieu, tu sais suivre le chemin de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, crie Alléluia! Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Cette parole est une parole de foi. Cette parole est une parole vérité pour toi. Cette parole doit t'amener à comprendre les choses du ciel, à comprendre les choses du royaume. Parce que notre Seigneur est mort à la croix et il s'est crié Tetelestai, ce qui veut dire tout est accompli. Et quand il a tout accompli dans ta vie, c'est que rien, absolument rien ne peut te résister. Tu es tout
et tout est en toi. De la même manière qu'il nous a tirés de la terre, il nous a tirés de la boue. De la même manière comme la terre, nous avons tout ce qu'elle possède en elle. La terre renferme de toutes les richesses. La terre possède le pétrole, l'or, l'argent, le diamant, l'émeraude, la bauxite, le fer, l'eau, le feu. Et nous sommes tirés de cette terre. Cela veut dire que nous avons tout en nous. Nous avons l'or, le diamant, le feu, l'eau, le pétrole, tout ce qu'il y a. Alors, il nous suffit juste de vouloir que cette chose se matérialise parce qu'elle est déjà en nous. Et nous pouvons changer n'importe quelle situation parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes des dieux. Parce que la parole de Dieu étant en nous, nous avons la capacité par cette parole de changer chaque atmosphère. Nous pouvons le faire parce que nous suivons Dieu. Nous suivons Dieu. Oh, si tu es d'accord avec moi, dis amen. Si tu es d'accord avec moi, dis alléluia. Oui, je te dis, mon frère, ma soeur, si tu as cette puissance en toi, ton foyer ne périclitera pas. Pourquoi? Parce que quand il y aura des problèmes, quand il y aura la déchirure, des pleurs, la parole de Dieu, la puissance de Dieu va descendre dans ton foyer et va recoller tout ce qui était cassé. Parce que notre Dieu est un Dieu de réconciliation. Il a le ministère de la réconciliation. Alors il vient dans ton foyer et il restaure toutes choses. C'est la puissance de Dieu. C'est la force de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cette raison que nous devons apprendre à louer Dieu. Nous devons apprendre à l'adorer. Pourquoi nous devons apprendre à louer Dieu? Regardez, écoutez-moi bien. Parce que quand nous louons Dieu, il y a trois choses. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Il faut faire la différence entre la requête, la louange et l'adoration. Je termine sur ce point. Quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous élève, quand Dieu nous garde, nous devons. Mais il y a trois manières quand on loue Dieu. La première, c'est la requête. Souvent, nous confondons, surtout les chantres, quand il faut adorer. Souvent, ils mélangent à louer ou ils mélangent à la requête. Mais je voudrais que vous compreniez bien la différence ce matin. La requête, c'est ça. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Je suis un pécheur. Ça ne va pas. Seigneur, sauve-moi. Ça, c'est une requête. Quand tu chantes ça, tu cries ça, ça, c'est une requête. Tu demandes quelque chose à Dieu. On est d'accord? Si tu dis, merci Seigneur de m'avoir sauvé, d'avoir sauvé mon âme. Oh, merci Seigneur. Ça, c'est une parole de louange. Tu reconnais qui t'a sauvé, qui t'a délivré. Maintenant, tu dis ceci. Merci Seigneur pour ce que tu es. Là, tu es en train de l'adorer. Seigneur, sauve-moi. C'est une requête. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Tu le loues. Merci Seigneur pour ce que tu es. Tu es en train de l'adorer. Donc, quand tu chantes, ne mélange pas tes paroles. Il faut que ton texte ait une chronologie. Est-ce que tu veux chanter pour lui demander quelque chose? Est-ce que tu veux chanter pour le remercier de quelque chose? Ou tu veux chanter pour glorifier son nom? Si tu veux chanter pour glorifier son nom, alors tu es en train de rentrer en adoration. Si tu veux chanter pour le remercier, tu es en train de le louer. Mais si tu es en train de chanter pour lui demander quelque chose, tu es en train de faire ta requête. Alléluia! C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Au secours, sauvez-moi, je me noie. Il est en train de faire quoi? C'est une requête. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'aider. Il est en train de se noyer. Pouf, quelqu'un saute à l'eau. Fap, fap, fap. Il va, il le sort. Oh merci,
Oh, merci, mon frère, de m'avoir sauvé. J'allais mourir. Oh, grâce à toi. Je suis sauvé. Là, il est en train de le louer. Maintenant, la personne dit, mon frère, je vais t'inviter à venir manger chez moi à la maison. Samedi, tu viens. Donc, le type, il va. Quand il arrive à l'adresse, il voit que la maison du type, là, c'est un château. Il rentre. On dit que non, que le type, là, c'est le roi. Il voit la table qu'on a dressée pour lui. Toutes les assiettes sont en or et tout. Et il voit maintenant celui qui l'a sauvé venir dans ses habits royaux, avec ses gardes du corps et tout. Et il dit, hé! Hey! Donc lui là, il a risqué sa vie pour moi. Et il commence à se mettre à genoux. Hé hey, mon gars, tu es grand, hein? Tu es riche. Hein? Il est en train de l'adorer. Parce qu'il sait qui il est. Il est en train de le faire. Si nous avons compris ces choses-là, nous saurons dans la louange comment diriger notre louange et notre adoration. Alléluia. Et nos requêtes. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus.